Messieurs, dames, bienvenue sur le marché Victor Hugo. Comme promis, les commerçants du marché vous présentent le premier journal sortir en vidéo. Il y a 9 mois maintenant. Donc voilà, pour vous présenter cet étalage de poissons. Poissons frais uniquement, bien sûr, uniquement de pêche. Bien sûr, on évite l'élevage absolument. On a la chance d'être coincé quasiment entre deux mers, donc ça nous permet d'avoir une belle diversité au niveau du poisson, les poissons de pêche, poissons de pêche. Voilà, donc. Bonjour, bienvenue à l'Arbre des Lys. Je m'appelle Jean-Pierre Noël. J'ai créé cette loge avec ma femme en 1986. Au début, j'ai fait des spécialités de produits corses, que je fais toujours. Mais depuis une douzaine d'années, je me suis spécialisé dans le port noir de Bigorre. Le port noir de Bigorre, comme je pense que la plupart des personnes doivent le savoir maintenant, c'est un port qui est élevé en plein air dans les contreforts du Gers et des Pyrénées. C'est un port qui ne se reproduit pas en captivité, qui est tout noir et dont la saveur est remarquable. Donc je fais des produits finis, si le salaison, je fais aussi du frais. Et depuis un peu plus d'un an, j'ai eu la marque Petrosian pour les caviars, crabes, saumons et le tarama frais que je fais, que je reçois en seau et sans colorant, qui a un succès fou. Avec tout ça, je fais aussi d'autres spécialités, comme toutes sortes de charcuteries, toujours artisanales et de bonne qualité. Je fais aussi du touron espagnol parce que un fournisseur espagnol m'en a offert un jour. Il était tellement bon que j'ai voulu le vendre. C'est un touron avec 70% d'amande que je vends aussi très très bien. Après, je fais des tapas et vous pouvez trouver chez nous un bon accueil. Et je suis prêt à vous accueillir comme vous. En vidéo ce que ça m'a apporté. D'abord, le concept m'a plu. Loïc, le Norvégien, est très sympathique. La première prise de vue qu'il a fait, la première vidéo qu'il m'a fait, m'a apporté plus de 10 000 vues sur YouTube. Donc, je suis prêt à continuer de travailler avec lui. Rapport qualité-prix, c'est nickel. De plus, quand on tape sur Google Port Noir de Bigorre Toulouse, j'apparais dans la première page et je pense que ce bon référencement est dû au plus de 10 000 vues que j'ai eues sur la première vidéo sur YouTube. Donc je suis très content.
sur le marché Victor Hugo depuis le 1er août, donc 3 mois au sein de l'ensemble des commerçants. Nous proposons de la pâtisserie, ouvert du mardi au dimanche, et nous nous sommes spécialisés dans la pâte à choux. Donc nous proposons des éclairs, des choux à la crème avec des parfums et des saveurs originales, Paris, Brest et Saint-Honoré pour les week-ends, et notre spécialité c'est donc la pièce montée sur mesure. Puisque vous choisissez vos parfums, les couleurs, et nous nous chargeons après de créer des pièces montées qui n'existent pas ailleurs pour des événements, des anniversaires, des soirées, des desserts qui n'existent pas sur d'autres étals, d'autres pâtisseries. Sortir en vidéo pour faire une petite vidéo pour présenter un petit peu la poissonnerie, simplement pour se faire connaître, avoir la chance d'être vu par beaucoup de monde sur un lien vidéo. Voilà, ça permet vraiment d'apporter un plus et de se faire connaître rapidement. Voilà pourquoi j'ai choisi sortir en vidéo, qui est fait en plus par un jeune homme très charmant et très sérieux. Donc voilà, bonne chance à lui et je souhaite une grande vie à ce JP. Merci messieurs dames. Bonjour, je m'appelle Marjorie Mallet, je suis responsable du magasin Au Miroir Magique à Montpellier, spécialisé dans les grandes tailles. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience de sortir en vidéo à Montpellier, où j'ai été agréablement surprise de l'apparition de cette vidéo sur Internet, où il y a une grande ampleur et grâce à ça, ma boutique a été connue, que ce soit ou dans la région de Montpellier ou même dans les autres régions du Sud. Ça a marché parce que en fait, je l'ai su la travailler cette vidéo, je l'ai partagée dans plusieurs sites Internet, bon bien sûr spécialisé pour moi dans le prêt-à-porter, surtout pour les femmes rondes, mais les gens ont aimé, donc eux aussi ont partagé cette vidéo. Et donc en partageant ma vidéo,
En un seul week-end, j'ai eu 2640 personnes qui ont vu ma vidéo. C'est quand même incroyable et c'est très satisfaisant pour moi. Alors, il faut vraiment jouer le jeu. On a une super vidéo en main et après à vous de pouvoir la partager et de la faire tourner dans le monde d'Internet. Pour que vraiment vous ayez beaucoup de partage et que votre vidéo se voie le plus possible, il faut que tout le temps que votre page soit actualisée, dynamisez-la, remettez des photos, vraiment ne laissez pas tomber votre page Facebook et vous verrez que vous aurez de plus en plus de clics, j'aime et de partage. Donc la journée de tournage s'est très bien déroulée. Avec Yannick, on a eu un très bon feeling, il m'a su mettre à l'aise et surtout il a mis en avant les points très positifs de ma boutique. J'ai beaucoup apprécié son travail et au niveau qualité-prix, il n'y a rien à redire, c'est un travail vraiment très très bien fait.